Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Sims Histoire de Vie. Alors, nous sommes rentrés chez nous, je ne comprends pas, je pensais qu'un voyage au pays des boutiques me remonterait le moral, pardon. Pourquoi j'ai l'impression que c'est pire? Bah parce que t'as vu ton ex, hein, enfin t'as vu tes deux ex au final, et t'as vu le salopard qui est Jérémy. Voilà, tout simplement. Et là, non mais n'empêche, elle a pas réfléchi quoi. Dommage qu'on n'avait pas des choix moraux. Ah ça, ce serait vraiment excellent, c'est dans un jour dans les Sims qu'on ait vraiment une vie planifiée, c'est-à-dire qu'on pourrait planifier notre vie avec plein de choix et tout, vous savez, puis des dialogues. Par exemple, entre vos Sims en famille, même des voisins ou quoi, il y aurait des dialogues un peu comme Sims version PSP. Oui, je m'emballe, attention. Mais vous voyez ce que je veux dire? Et des choix moraux, des trucs comme ça, ce serait juste énorme. Moi, je dis ça, mais je dis rien, quoi. Allez, les petits développeurs de Maxis, vous voulez de l'évolution, faites-le. Ah, c'est clair que ça me donnerait bien envie, quoi, d'avoir un jeu comme ça. Allez. Non, je t'ai fait dîner, je t'ai pas fait prendre... Ah, je sais pas ce qu'elle m'a fait, mais elle m'a fait peur. Voilà, on va aller regarder un peu la télé. Qu'est-ce que nous avons à regarder? Ouais, non, c'est pas tip-top aujourd'hui. Y'a rien à la télé. Alors, elle voudrait s'acheter une voiture, je crois. Ah non, elle est au travail. Ça ne correspond pas aux attentes. Bon, vas-y, je vais te détendre un petit peu. Je t'aimerais ça après. Logiquement, l'objectif va bientôt se lancer. Je crois que c'est tous les jours à 10h. Je suis pas certain, mais... c'est bien possible. On va faire la vaisselle aussi. Mais c'est ça aussi qui manque un petit peu. C'est genre, je crois que j'en avais déjà parlé. C'est dans Sims 4. En fait, j'ai l'impression que le temps, c'est-à-dire le cycle jour-nuit, passe plus vite que, par exemple, ce Sims-là. Du coup, je sais pas. Enfin, je sais pas si c'est peut-être moi après, hein, mais s'il y en a des gens qui peuvent me confirmer ça, mais à mon avis, je pense que c'est moi. Mais c'est vrai que ça me semble plus rapide. Donc voilà, c'est... Ça m'embête, mais très légèrement, parce que finalement, la nuit passe trop vite, et le jour passe trop vite. Donc là, elle va aller au travail. Allez, au travail. Ça va, elle y va pour nuisette au travail. Alors, le patron avec Michel a assisté à un colloque sur l'industrie du divertissement, mais le projet en cours progresse difficilement. Michel pense que le projet est bien plus important que le colloque. Michel fait une découverte essentielle et parvient à terminer le projet avant la date butoir. Michel obtient une prime en récompense. Ouais, bien joué, Michel. Bien joué. Ça, c'est notre Michel. Vous savez, elle fait pas que des boulettes dans la vie. Et elle revient à quelle heure déjà du travail? 15h. Logiquement, on arrive maintenant. Voilà. Michel a reçu une promotion que pour moi le poste de cours. Ouais, coordinatrice. Ça, c'est pas mal. Bien joué, Michel. Ça, c'est pas mal. Pas question que ça se termine comme ça. Cet imbécile de Jérémy m'a prouvé que les garçons vraiment gentils se font rares. Je ferai tout ce que je peux pour renouer avec Thomas. Ça prendra le temps qu'il faut, mais on se réconciliera. D'accord, Thomas sera à moi. Qu'est-ce que je dois faire? Améliorer votre relation avec Thomas. Ok, ils mettent un peu de temps. Alors par contre, les séparations, c'est super rapide. Par contre, pour se réconcilier ou quoi, là, il n'y a plus personne. Alors on va l'appeler, hop. Inviter. Non, pas possible, totalement exclu. Ok, attends. Je vais faire ça. Et je vais juste discuter. Je ne suis pas trompé de Sims, non.
C'est parce que c'est bro. It's not that. Ooh, ram. And rabbit teeth. Oh, chief ram. Bon, j'ai renoué avec lui, hein. Alors, attendez. Ah, elle est partie dormir. Je suis vraiment... Ouais, je suis en urgence. Bah, je vais aller dormir. Allez, vous savez quoi? On va aller... Bah non, réveille-toi. Viens dormir en pyjama. Ça, on n'a pas le choix. On va essayer de l'appeler comme ça 2-3 fois, histoire de renouer avec lui. Puis après, bon, on va... voilà, on va approfondir la relation. On va essayer de le reconquérir s'il se marie pas. À mon avis, le final, on va aller au mariage. Et on va faire comme dans Grey's Anatomy, vous allez voir. Vous croyez que si je l'appelle là, il va me gronder dessus? Ouais, il va me gronder dessus. Je vais faire comme comme les gens insomniaques qu'on se réveille, c'est-à-dire on regarde la télé ou on joue au PC. Combien de fois ça m'est arrivé de me réveiller la nuit? Et au final, après, je bossais sur mes écrits, tout ça. Et je vous racontais un peu ma vie, c'est poétique, c'est merveilleux. J'en ai rien à carrer, vous, tout ce que vous voulez, c'est du Sims. Et moi, j'essaie d'être gentil avec vous, et... Non, on se ressaisit, tonton. Allez, on va manger une salade du chef pour la peine. Voilà. Mais de toute façon, vous inquiétez pas, une fois qu'on a fini donc les 12 épisodes avec Michel, il restera bien sûr un acte dans les Sims, c'est-à-dire 12 épisodes avec Lucas. Donc un autre personnage, un peu comme dans les Sims animaux. Voilà, c'était juste Naufragé qui avait juste 23 épisodes comme ça. Le problème, c'est que... Pff, ouais, c'est vrai, quand je reviens sur Naufragé, j'ai un mauvais... j'ai une mauvaise expérience. Disons que le côté survie n'a pas été très présent. Et le côté... voilà, chiant. À un moment, c'était pénible d'y jouer. Je suis désolé, mais c'est vrai que c'était comme ça. Alors que là, je prends beaucoup plus de plaisir à faire animaux ou histoire de vie. C'est marrant. Comme le jeu peut varier. De toute façon, c'est celui-là qui a eu le moins de vues aussi, histoire de naufrager. Je pense que c'est celui-là qui a lassé beaucoup plus vite les gens. Je peux pas le... Attendez, je vais continuer à m'entraîner, moi. Ouais, il est 5h du matin. Écoutez, on va aller dormir, histoire de vert, parce que je vais essayer d'appeler Thomas. Non, je travaille, en plus. Et là, c'est ça aussi qui est bien, c'est que par exemple, pour le travail, plus vous aviez une promotion, et regardez, plus vous fallait, dans les compétences, atteindre certains niveaux. Hein, comme là, il faut 3 points en créativité, 2 en charisme. Enfin, vous voyez, c'était quand même plus complexe à ce moment-là des Sims. Tandis que maintenant, il n'y a plus rien à carrer, hein, ça. Je veux dire, vous pouvez jouer sans, c'est pour ça que les promotions s'obtiennent plus vite, c'est plus facile. D'un côté, voilà, il y a quelques trucs, je pense, sincèrement, qu'ils auraient dû laisser dans Sims 4, mais bon, le débat n'est pas là, je ferai peut-être une vidéo débat, je ne sais pas. J'ai prévu de faire un petit truc, un truc actu, mais je sais pas si je le ferai, parce que c'est vrai que avec Vakarian et tout, ça prend beaucoup de temps. Et avec tous les let's play que j'ai entamés, je me concentre pour les finir. Voilà, bah là, on va lui raccrocher au nez, on va travailler, on le rappelle ce soir. Voilà. Mais c'est vrai que, voilà, je ferais peut-être un truc actu, je sais pas. Donc j'attendrai vraiment d'avoir le matériel nécessaire, parce que... Bah là, j'ai un bon son avec ce micro-casque-là. Alors peut-être que finalement, je vais réutiliser... Ça m'embête, parce que, vous voyez, le casque que j'ai sur les oreilles, 12€. Le casque que je fais mes enregistrements à la base, c'est quand même du 80€. Bon, micro-casque à la base, c'est fait pour communiquer avec d'autres gens, dans le gaming, tout ça. Enfin, ça dépend le casque que vous avez. C'est pas vraiment fait pour l'enregistrement, mais voilà, quand on n'a pas le... On peut pas investir sur le coup, sur un gros micro-perche avec table de mixage, bah voilà, on est obligé d'attendre. C'est pour ça que la qualité de son... Ouais, qu'on est bien chez soi. Ça, c'est clair, Michel. Et voilà, la qualité de son, bon, bah, j'essaye de faire au mieux. Hein. Vous avez vu, j'ai toujours traficoté. Par contre, il y en a une que j'ai vraiment dû bosser dessus pour la régler. C'était avec un Sims Freeplay. Et ça a été vraiment l'anarchie, ce Sims-là. Mais j'ai trouvé une solution depuis le temps.
C'est vrai que l'épisode que j'avais tourné, il était catastrophique. On va essayer de renouer avec, hein. Je l'appelle là comme ça vite fait. Ah, ça a chuté. Ça a chuté et attendez. En même pas une fraction de seconde, ça a chuté. Il a pas dû aimer. J'arrive tout de suite. Oh, il arrive. J'y crois pas, Thomas arrive, les gens. Le retour du Thomas. Bah salut Thomas, vite, 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 il est là. Vite. Bah voilà, on a renoué avec lui. On va papoter. Par contre, elle me fait de la... Elle me fait de la gnonote. Qu'est-ce qu'elle me fait? Il m'a fait mal. On doit... Oh, non, il est en colère. On va essayer de blaguer un petit peu. Oui, elle veut aller dormir, mais moi je ne veux pas. Divertir, blaguer. Bon, il est parti, nous on va aller dormir parce qu'elle est fatiguée. Bon, ça va être difficile, je pense. Hein. Vous voyez que la barre, la première barre augmente, mais elle redescend aussi vite. Ça prendra du temps, il faut astuce, améliorer votre relation avec Thomas, être... Il est possible qu'il mette un peu de temps à revenir vers vous. Attendez, hé, Thomas, reviens! Non! Thomas, mon cœur bat la chamade! Bon bah il est parti. Alors, on va appeler Sims, je vais pas aller travailler aujourd'hui. Thomas, invité. Il arrive tout de suite. Donc là on peut voir que la barre est passée à 70, 23, ça reste ça stagne et c'est pénible. Non, tu vas pas travailler. Je veux pas qu'elle aille travailler. Désolé mais... On va le chatouiller comme au premier rendez-vous. Ça descend 60... Ah, ça va être chaud. Je prends un risque. Donc ils acceptent de s'enlacer. Ah, je crois que la magie opère. La magie est en train d'opérer, les amis. Ça marche. Ça y est, j'ai repris contact là, les gens. J'ai repris contact. Attendez, je vais servir le dîner. Oh purée, ça pue ça. Mais n'empêche, ça va être un épisode assez long, je pense. Contrairement aux autres, donc j'essaierai de faire des coupes-coupes, mais sinon je vous le laisse parce que franchement, c'est intéressant. Je veux dire, surtout qu'on n'a pas. Enfin, généralement, ça dure pas très longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé? Mmh. Mmh. Ça vaut la peine.
Voilà, embrassé. Ça y est, ils peuvent plus s'en passer maintenant. Il est où? Il est parti? Non. Ah bah si, attendez, je vais le rappeler. Mais attendez, on part pas comme ça, moi, de chez moi. J'aimerais bien vite fait, j'arrive. Bah non, mais il fallait rester dans ces cas-là, hein. Il est bête, lui. Allez, reviens Thomas, on va le s'allumer, on va le s'allumer. Oui, on va le s'allumer, ça c'est clair. Ah, on a plus le truc grisé. Ah si, attendez, on va participer un peu avec lui. Alors du coup, il se passe quoi? Moi, j'ai dû remettre Loulou dans le lit puisqu'il avait sauté, il s'est blessé à la papatte, le petit. Alors du coup, hier, chez le vétérinaire. Et du coup, bah voilà, là il a sauté et j'ai été obligé de le remettre dans le lit. Allez, on s'embrasse. Bah alors, eh là on est plus que... Voilà, le truc il veut pas, hein. Je veux dire, quand il veut pas, il veut pas, hein. On a 71-44, je crois qu'il faut que ça atteigne 50. Blaguer. Non, ça c'est draguer. What? What? C'est bon, hein. Pourquoi? Ah, j'ai pas compris ce qui s'est passé, pourtant tout le monde a été d'accord. Ouais, non, je suis perplexe là. Il reste la nuit de toute façon. Ah bah attendez, je vais l'appeler, ils vont faire crac crac. Rien de mieux pour se rabibocher. Je pense qu'il va y avoir du crac crac. Je peux pas lui demander de venir? Non mais c'est dingue ça. Si, je crois que c'est bon. Alors les amis, préparez-vous, ça va swinguer. Bon, je fais tout pour le récupérer, le petit Thomas là, mais... Faire un câlin. Embrasser. On peut pas. Bon écoutez, on peut pas. On peut pas, on peut pas. Ça va prendre du temps, je pense. L'épisode qui prendra du temps. Un repas instantané. Ah mais c'est vrai que je suis un peu étonné que... Hein? J'ai plus personne dans mes relations? Vas-y. A plus. Oh purée, qu'est-ce qu'il me... Non, mais... De toute façon, on va aller dormir. Alors, je pense que je ferai plusieurs parties pour l'épisode, puisque au final, ça a l'air de prendre tout son temps. En fait, j'ai commencé, je crois, à 9h30, il est 10h sac. Donc du coup, ça fait plus de 35 minutes qu'on est en vidéo. Michel ne travaille pas. Bah tiens, c'est sympathique ça. C'est sympathique, Michel ne travaille pas. Alors mais allez, c'est pas possible. Alors, on va essayer, mais on va y arriver. Si on y arrive là, ce serait cool. J'ai pas besoin de couper la vidéo, ah, presque pas. Mais si on n'y arrive pas, je suis dans la peinade. Alors on va appeler un Sims, on va recommencer. Et on va l'inviter, bien entendu. Il est déjà là, ça tombe bien. On va l'embrasser passionnément. À la folie! On va lui sauter dans les bras. On va l'embrasser romantiquement. Waouh!
Il a envie de vomir. Je comprends pas pourquoi, mais si tu veux. Blague salace. Vote la pâté. Ah, je crois que ça y est. Ça y est. Ça y est, les amis. Michel, je suis très heureux que nous nous soyons réconciliés, mais j'ai fait une promesse à Cindy, aussi difficile que cela soit pour moi. Je me dois de la tenir ou je ne pourrai plus me regarder dans une glace. Ah non, hein. Michel, je voudrais te voir ceci. Je ne me suis jamais séparé, mais aujourd'hui, j'aimerais que cela t'appartienne. Qu'est-ce qu'il m'a offert? Ça? C'est tout? C'est... Hein? Ok. Bah écoutez, ça me fait peur. Je suis armé de Noël, mais je dois faire ce que j'ai à faire. Ne m'oublie pas, Michel. Moi, je ne t'oublierai jamais. Tout ça pour ça? Comment pourrais-je jamais t'oublier, mon amour? Bah ça, t'as joué à... T'as joué et tu t'es brûlé. Chapitre 9. Je n'oublierai jamais tous ces heureux moments passés avec Thomas. Il mérite mieux que moi. Désolé Cindy, mais tu ne fais pas l'affaire. Je suis contente que nous nous soyons réconciliés. Enfin, en partie. J'espère seulement qu'un jour, il pourra me pardonner. Et ben voilà mes amis, c'est sur ces images que nous allons nous quitter. J'espère que cet épisode très long vous aura plu. Je vous dis donc à la prochaine pour la suite et portez-vous bien, sous-soul.